Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de quelque chose d'assez sérieux. Mais j'en rigole en même temps, il faut bien rigoler des choses des fois dans la vie. Et oui, comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai démissionné de mon travail. Alors je vous arrête tout de suite, je n'ai pas démissionné pour me consacrer à YouTube. Pas du tout, parce que oui, mes vidéos sont monétisées, mais non, je ne gagne pas assez pour vivre de YouTube. À part si vous arrivez à vivre de 30 euros par mois et encore 30 euros grand max, eh bien dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse parce que effectivement ça pourrait être intéressant. Mais et encore 30 euros, je ne les touche pas tous les mois parce que avec AdSense, la plateforme de paiement YouTube, on ne touche les sous que quand on atteint le palier de 70 euros. Donc je vous parle d'une somme de 70 euros que j'ai tous les 2, 3, 4 mois à peu près. Donc je n'arrive malheureusement pas à vivre du tout de YouTube, mais j'ai décidé de quitter mon travail et je vais tout vous expliquer dans la vidéo. Donc si ça vous intéresse, eh bien restez avec moi. Je vous ai dit dans un dernier vlog il y a quelques semaines que je devais vous parler d'une décision que j'avais prise, et c'est effectivement cette décision. Je vais vous dire plus tard pourquoi je sors de ma zone de confort en ayant pris cette décision. J'ai effectivement décidé il y a quelques semaines, au moment où vous regardez cette vidéo, le 25 janvier, j'ai déposé ma démission à mon travail. Je vais essayer de vous faire un petit background du contexte. Je suis chargée d'études environnement dans un bureau d'études dans les alentours de Rennes. Ça fait 3 ans que je travaille maintenant dans ce bureau d'études. Avant, j'ai travaillé 9 mois dans un autre bureau d'études dans les alentours de Nantes. Donc j'ai fait un CDD de 6 mois et de 3 mois, donc jusqu'à fin décembre 2017. Et après, j'ai cherché du travail et j'ai trouvé ici sur Rennes. Du coup, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que je suis sur... Je n'ai jamais voulu vous dire dans quel domaine particulièrement je travaillais. Je suis toujours restée vague et je vais continuer à rester vague. Mais il y a maintenant plusieurs semaines, mois, c'était fin novembre, j'ai été contactée par une entreprise qui cherchait quelqu'un. Ils ont eu mon profil et mon profil les intéressait beaucoup. Du coup, ils m'ont contactée, ils m'ont dit voilà, on cherche quelqu'un. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on puisse discuter, voir un peu ce qu'on recherche? Et du coup, j'ai accepté. J'ai fait un premier entretien en visio et j'ai été retenue pour passer un entretien en physique. Et du coup, j'ai fait l'entretien en physique début janvier. Et au bout d'une semaine, j'ai su que j'étais prise pour ce travail. Et ça a été une décision très difficile à prendre de rester ou de partir de mon travail. Parce que, comme je disais, c'était une décision qui me sort de ma zone de confort. Parce que bah, je suis plutôt bien dans mon travail. Je m'entends très bien avec mes collègues, ça se passe très bien avec mes collègues, je me sens bien. Mais il y avait des petites choses que je ne pourrais jamais faire ce travail qu'on m'a proposé de faire dans ce nouveau travail. Et évidemment, le salaire est beaucoup plus intéressant. Pour pas cacher, je vais pas dire le nom du coup de la structure où même où je travaille toujours parce que je finis au mois de mars, mais j'ai été en inégalité salariale. En gros, on est 3 à travailler au même poste, sachant que j'étais la première arrivée. Les personnes sont arrivées après moi, les 2 autres personnes. Je pense que j'ai le plus d'expérience par rapport à une, c'est sûr, à l'autre on est peut-être à peu près pareil. Mais en gros, j'étais la moins bien payée des 3 et de beaucoup, j'étais moins bien payée tout simplement. Et ça fait plus d'un an que je me bats pour être payée à la même valeur. Et normalement, je devrais même m'être payée plus parce que ça fait plus longtemps que je suis là. Et j'ai plus d'expérience et on a le même niveau d'études en fait. Donc voilà, ça n'a pas été compris dès le premier tour. Donc j'ai dû faire jouer d'autres personnes pour que ça soit compris. Ça a été pris en compte en fin d'année et encore j'ai cru comprendre que je n'arriverais pas encore à leur niveau de salaire. C'est pour ça qu'au début j'ai vu qu'il y avait un effort qui avait été fait au niveau du côté salaire, et que suite à ce moment, quand j'ai su du coup cette évolution de salaire, je n'avais fait que le visio en fait, l'entretien visio, et je m'étais dit bah je vais aller à l'entretien physique juste pour voir comment ça se passe, et je pensais même du coup bah, rester où j'étais actuellement. Sauf que quand j'étais à l'entretien physique, c'était beaucoup trop intéressant pour refuser tout simplement. Et le seul inconvénient de ce nouveau travail, c'est que je vais beaucoup travailler chez moi. Mais voilà, c'était vraiment le seul inconvénient par rapport à tout le reste. Mais en gros, pour vous expliquer un petit peu la différence, on va prendre... le métier de boulanger en gros. Actuellement, on va dire que je fais du pain, voilà, et que là ils m'ont proposé de faire par exemple des croissants, des pains au chocolat et des gâteaux, voilà, on va dire ça. Et pourquoi pas ajouter le pain
un peu plus tard parce qu'ils ne font pas du pain, mais pourquoi pas, ils pourraient peut-être faire du pain vu que je vais venir chez eux. Voilà, en gros, ce nouveau travail me permettra de développer beaucoup plus mes compétences, d'agrandir mes compétences. Au lieu de faire que du pain, bah, je ferai du pain, des pains au chocolat, des croissants, des gâteaux. Et voilà, moi, je voulais toucher, commencer à toucher un peu plus. Et je voyais que là où je suis actuellement, c'était pas possible. Ils m'ont proposé de faire du management, de faire du commercial, ce que je ferais jamais où je suis actuellement. Évidemment, le salaire sur 35 heures, actuellement, je suis du 39 heures, est beaucoup plus intéressant que, voilà, on va pas se cacher, il est plus élevé que celui que j'ai actuellement à 39 heures. Voilà, c'est pour ça que ça a été très difficile, parce que c'est soit je restais dans mon train-train quotidien, mais parce que je connaissais mes collègues, j'étais très bien, et que bah, c'est un peu difficile de casser sa routine et de partir dans quelque chose de nouveau, et de rester en fait, c'est plus facile de rester du coup effectivement dans sa routine que de casser, d'aller voir des nouvelles personnes, des nouveaux collègues, changer un peu ses habitudes. Et c'est pour ça que je dis que je sors un peu de ma zone de confort, parce que bah, j'aurais très bien pu rester dans mon train-train quotidien, et je pense que c'est pour ça que ça a dû surprendre bah, les collègues à qui je l'ai annoncé, parce que je dois avoir le profil ou le type, je dois être le type de personne où on pense pas qu'on peut comme ça changer de travail et démissionner en fait. J'ai peut-être plus le trait de quelqu'un qui va rester dans son train-train quotidien et continuer à faire ce qui est fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, j'ai peut-être le profil d'une personne qui va rester dans quelque chose qu'elle a déjà et puis continuer en fait à faire sa petite vie. Mais j'ai pensé à moi et j'ai pensé à ma future évolution. Voilà, ça fait 3 ans que maintenant je suis à ce poste et j'ai fait un peu le tour. Et il est temps pour moi du coup de vaquer vers de nouvelles aventures entre guillemets. Bon, ma caméra a coupé, donc je reprends un petit peu après, mais voilà, ça me sort de ma zone de confort de dire je quitte un boulot stable dans lequel je suis pour repartir vers autre chose qui sera moins stable au début. Alors certes c'est un CDI, mais je pars pour une période d'essai, alors que là j'étais dans un CDI sans période d'essai, enfin ma période d'essai était finie, donc du coup c'était stable, j'avais des collègues avec qui je m'entendais bien. Je me suis dit qu'il était temps, il fallait que je le fasse, parce que je voulais évoluer, et il est vrai que là je cherchais pas à ce moment-là, mais j'y pensais à chercher autre chose. Et comme vous le savez, je viens d'acheter un appartement bah, dans le coin, et je ne veux pas quitter la région pour le moment, quitter la ville pour le moment. Et c'est vrai que mon profil actuel est un profil assez atypique. Et pour trouver un job tout en restant dans le coin, c'est assez compliqué. Et là, ce job me permet de rester dans le coin tout en évoluant et en ayant un meilleur salaire. J'en reviens toujours au même point, mais voilà, le salaire, c'est quand même important. Bah voilà, c'était la petite décision que j'ai prise. J'ai posté le vlog dans lequel je vous dis que je vais vous annoncer quelque chose qui me sort de ma zone de confort et que j'ai pris cette décision. J'ai posté le vlog aujourd'hui et je vois vos retours. Il y en a qui disent « Ah, j'ai hâte de savoir tout ça ». Donc voilà, voilà cette décision, j'ai décidé de démissionner, donc c'est officiel depuis une semaine à peu près à mon travail. De toute façon vous verrez cette vidéo pas tout de suite, parce que le temps que je poste les autres vidéos que j'ai prévues. Mais voilà, fin mars, je vais changer de travail. Voilà, c'est... De toute façon c'était maintenant qu'il fallait que je le fasse, j'ai fait 3 ans dans le job où j'étais actuellement. Et je pense que c'était le bon moment et je pense que c'est la bonne décision. Donc voilà, si vous vous posez des questions et que vous pensez quitter votre travail pour faire autre chose, et eh bien allez-y. Allez-y, si vous vous posez la question, et eh ben c'est que c'est le bon moment. Sortez de votre zone de confort et allez-y, changez de travail, même si c'est peut-être pas une décision facile. C'est ce que je disais, c'était pas une décision facile que j'ai faite, c'est ce que j'ai dit à mon directeur, à mon manager, c'était pas une décision facile à prendre, mais c'est une décision que j'ai prise. Quitter mon job stable pour un nouveau job qui est aussi un job stable, hein. Je ne quitte pas un CDI pour un CDD, hein, c'est un CDI, mais il y a quand même une période d'essai renouvelable, et voilà, ça peut faire peur de dire bon bah si au bout de 3 mois, parce que j'ai une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois, ça se passe pas bien, bah c'est retour à la case départ, et je ne pense pas que ça arrivera quand même, mais voilà, ça peut être un petit stress. Voilà, je dis pas que ça va être facile, mais voilà, c'est quelque chose à prendre en compte, et voilà ma décision pour cette année 2021, une première décision pour cette année. Il y a une autre chose que j'aimerais faire en 2021,
dont je vous ai déjà parlé, mais ça devient peut-être un peu plus concret. Je vous en reparlerai quand ce sera vraiment plus concret. Mais donc c'est une opération par rapport à ma poitrine suite à ma perte de poids et ma sleeve. Voilà, je pense que l'année 2021, ça va être une année de grandes choses. Changement de travail, changement de poitrine. Voilà, mais on en reparlera parce que rien n'est concret, rien n'est décidé encore. Donc voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez changé de travail aussi, ça vous est arrivé de faire du coup de démissionner de votre travail, de changer de voie. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt.